Claude. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Alors, mais là, j'ai rien entendu. Délire. Eh, vous devez deviner qui je suis. Aïe, je sais pas comment je vais pouvoir finir ce mois, les temps sont durs. Emery Crack. Ouais. Allez, on s'ambiance. Bon, j'ai pas regardé l'actualité cette semaine. Ah, mais attends, mais tu commences toujours tes chroniques comme ça, change un peu. Eh, ça, c'est bon, c'était les vacances, en fait. Eh, j'ai pas regardé l'actualité pendant les vacances. Sinon, nous, les journalistes de terrain, on prendrait jamais de pause. Et si on prend jamais de pause? Après, on devient des machines. Et si on devient des machines, on n'a plus d'âme. Et du coup, on va écrire des chroniques sans âme. Et du coup, après, ça va être des clones de chroniques. Après, les gens, ils diront, super chronique, Emmerich 212. C'est ça que vous voulez? Un monde uniforme? Un monde sans amour? Sans fleurs, sans couleurs? Le monde de Orwell? De 1900, le monde d'Orwell, j'en ai marre de vous, c'est un goulag dont je suis le prisonnier, une cage dont je suis l'oiseau sans aile, j'ai envie de bruncher, j'ai envie de faire du pilates, aïe, j'ai emménagé à Paris, je suis agressif. Je regrette. Je veux faire marche arrière. Je veux retourner dans le vagin de ma maman. Ce sera moins cher et plus grand. Ah, c'est pas du Camus, hein. Non, mais attends. Non, mais, ça serait trop bien dans la vie qu'on ait le droit de faire deux marches arrière. Moi, ce serait la fois où j'ai choisi de vivre à Paris et la fois où je me suis dit, tiens, elle va être super cette blague sur le vagin de ma mère. Non, mais en plus, j'ai regardé sur Internet, pas pour le vagin de maman, hein. J'avais qu'une journée. Allez, avec moi. Non, mais pour le déménagement, alors en termes de traumatisme, les déménagements... Arrête de rire, c'est chiant. Après... C'est visuel, je pense. Non, après, je l'ai écrit, j'étais sous. Non, mais attends. En termes de traumatisme, les déménagements, c'est en deuxième position, juste après les enterrements. Il y a déménagement, enterrement et être au premier rang d'un spectacle de stand-up. T'es en couple, gros tas. Je suis juste venu voir un spectacle, moi. Non, mais Paris, c'est la jungle. Je veux dire, il n'y a aucune empathie. C'est pas une ville, c'est une classe de quatrième. Je veux dire, ici... Tout est moquerie. Hier soir, j'ai dit à un pote, attends, mais on va jamais trouver des restos après 22 heures. Il était là. Pas de resto après 22 heures. Attention au clodo. Mais enfin, ici, t'es à Paris. Attention au clodo. On va pas mourir de faim quand même. Attention au clodo. Attention à la merde. Merde, t'as marché dans un clodo. Je vais rentrer chez moi, putain, je vais rentrer. En plus, Douli, notre appartement, il est nul. Douli, elle a pris la grande chambre. Enfin, les chambres, elles font la même taille, mais comme je suis tout gros et que Douli est toute petite, elle a plus d'espace. La chambre, on l'a jouée à qui rentre le premier dans un tuyau étroit. Alors, je vois déjà les commentaires en dessous de la chronique. Tu te plains alors que 3000 enfants dorment dans la rue? C'est vrai que t'as grossi. Pas de resto après 22 heures. Lâche-moi, Ludo. Du coup, je cherche un appartement sur l'île. Alors au début, je voulais retourner là où j'habitais quand j'étais petit, mais il y a déjà mon père. Trois marches arrière, on a le droit de faire trois marches arrière. Merci de m'avoir écouté. Emmerich, mon frère. Merci Emmerich. Donc on peut revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter, avec toutes les vidéos.